Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la ZTV, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Un peu plus tôt que d'habitude, c'est vrai, il est 16h02, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le channel ZTV, vous êtes content, go shoot manio, ce sera ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, un bon midi et un bon pixel barbecue. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà rentré des cours? Est-ce que vous êtes déjà en train de slacker dans votre, à votre BU, à votre salle d'informatique? Dites-le moi sur le chat s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors on taffe, glandé toute la journée, déjà en week-end, d'accord, j'ai slack comme un gros porc, j'ai fait le pixel barbecue, c'était dur, rien, repos parce que je bosse ce week-end. Ah ça c'est difficile parce qu'en général personne ne bosse et tout le monde est là, ah week-end super comme disait Laurie, et en fait pas du tout, pour toi c'est la merde. Slacker sur ta chaîne YouTube, oui on a remis des VOD, on a remis des VOD geek sur LOL, j'ai eu anglais ce matin, easy, je joue toujours à Might and Magic Duel of Champion. Ok, je suis au CDI avec mes écouteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ah le CDI, ah oui le CDI, c'est vrai qu'au lycée il y avait le CDI, putain j'avais complètement oublié cette histoire. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, bon, vous avez vu le sondage. Est-ce que vous avez vu le sondage? Vous avez vu le sondage ou vous avez pas vu le sondage? Peut-être que vous avez pas vu le sondage. Le sondage qu'on a posté, hein, on avait... On fait quoi à 16h? Fais ce que tu veux, Zerator, je knocker le jeu. Donc ça veut dire que tu fasses du foyer caillou ou du LOL, je m'en carre l'oignon. Et vous avez été nombreux à voter, plus de 600 à l'heure actuelle, et les votes continuent de monter, mais c'est Foyer Caillou qui gagne le vote. Je me suis dit, tiens, il y en a qui disent, ouais, vous faites que du LOL en ce moment et tout, on va essayer de faire un petit peu de Hearthstone. En fait, si je fais du Hearthstone aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai envie de jouer Hearthstone ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'il se passe des choses sur Hearthstone dont j'ai envie de vous parler, notamment la grosse mise à jour qui a eu lieu, qui a, eh bien, fait quelques équilibrages de classe, quelques changements d'interface, quelques changements d'interface équilibragitoire, et aussi, eh bien, des grosses vagues de clés bêta envoyées. D'ailleurs, en ce moment même, Hearthstone est souvent down et a souvent quelques problèmes, et apparemment ce serait parce que l'open beta va bientôt commencer, apparemment, hein, ça c'est les rumeurs, personne ne sait quand c'est, etc. Mais la plupart des gens qui voulaient une clé ont une clé, il y a eu des concours partout, beaucoup de gens eh bien, ont eu leur clé bêta, enfin bon, en tout cas, eh bien, c'est l'occasion pour moi de vous parler du patch note, les notes de mise à jour de cette bêta qui ont eu lieu eh bien, le 2 octobre, sachant que là on est le 4, évidemment c'était mercredi, donc voilà, je vous montre un petit peu ce patch note, on va le lire ensemble, il est pas très long, il est pas très long, honnêtement on pourrait croire que c'est long comme ça, mais c'est pas très long, et bah pas moi vu qu'Ado il a écrit, bah attends mec, 20 000 followers, t'as pas de clear stone, attends, c'est comme si je te disais, non mais allô quoi, tu vois, enfin tu vois, c'est comme si je te disais, allô t'as 20 000 followers, tu joues pas à Minecraft, c'est comme si je te disais ça, tu vois, c'est comme si je te disais exactement comme ça, alors voyons voir, alors regardez, le niveau maximum est désormais de 60 contre 50 avant je crois, et vous pouvez atteindre cette limite en gagnant de l'expérience dans tous les modes de jeu, donc si vous faites de l'entraînement contre les ordinateurs, vous arriverez à level 60, le système de discussion a fait peau neuve, voilà, petite nouvelle interface, alors, ça, honnêtement, hein, j'irai pas jusque là. Par exemple, si on parle à le démo, super salut, voilà comment ça se passe. Vous voyez, il y a écrit super salut, et on n'a pas de fenêtre de discussion, ah, ou quoi que ce soit, comme à StarCraft, quelque chose comme ça. Et s'il me répond, eh bien, il faut que je clique pour aller lui parler comme ça, donc c'est pas très bien fait, regardez, ouais, c'est ça. Donc là, vous voyez, hop, je peux pas continuer de lui envoyer un message, faut que je reclique. Cobaye de merde, là on voit le dernier message qui a eu lieu sur le truc, donc voilà, petite nouvelle interface de discussion, c'est de la merde. Le système de discussion a fait peau neuve, donc c'est bien. En mode partie, vous gagnez désormais 10 pièces d'or toutes les 3 victoires au lieu de 5 toutes les 5. Donc ça, voilà, Blizzard qui a un petit peu monté les récompenses pour que les gens fassent plus d'arènes, achètent plus de paquets de cartes, hein. Je vous rappelle que beaucoup de gens ont crié sur le fait que l'arène, eh bien, était réservée que à ceux qui payaient parce que, eh bien, nous on voulait acheter des cartes avec les pièces d'or, et voilà, Blizzard, blablabla. Vous pouvez désormais obtenir des serviteurs de base dorés au plus haut niveau d'expérience, bon, Osef. Les récompenses d'arène contiennent maintenant moins de poussière arcanique et plus de cartes. Ah, plus de cartes. Vous obtenez davantage d'or pour 5 et 6 victoires en arène. Bon, ça me concerne pas, j'ai jamais dépassé 4 victoires personnellement. Au bout de 9 victoires en arène, vous obtenez désormais obligatoirement un paquet supplémentaire ou une carte dorée. Ah, 9 victoires en arène, ça veut dire... Alors de base, faut savoir qu'en arène, même si vous faites 0, rien du tout, 0 victoire, 3 défaites, vous avez un paquet de cartes. Au bout de 9 victoires en arène, Blizzard nous dit, vous obtenez soit un paquet de cartes supplémentaires, soit une carte dorée. Les cartes dorées, c'est les cartes normales, sauf qu'elles sont premium, comme à Magic, c'est useless, on s'en fout, tout le monde s'en carre l'oignon. Les animations des secrets et de fatigue sont beaucoup plus rapides. Très bien. Toutes les cartes affichent désormais un texte descriptif quand vous les examinez dans votre collection. Très bien. Plus 1 puissance des sorts est renommée en dégâts des sorts plus 1. Ok. Les héros peuvent être débloqués dans n'importe quel mode. Partie, arène, entraînement. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire que si vous battez un genre un paladin en matchmaking, eh bien vous débloquerez le paladin même si c'est un joueur complètement nul.
Voilà. L'utilisateur choisira, enfin l'interface choisira par défaut les decks personnalisés si vous en possédez lors des matchs en mode partie, entraînement ou duel. Ok. Vous pouvez désormais cliquer sur les bulles de discussion pour répondre. Cool. Qu'est-ce qui se passe? Quand vos amis finissent une série arène ou trouvent une carte légendaire dans un paquet, vous recevez une notification afin de pouvoir les féliciter. C'est comme ça qu'hier j'ai vu Judge Hype looter 18 légendaires en avec mon truc en bas. Il y avait écrit. Judge Hype vous défonce, il a full luck. Judge Hype vous défonce, il a full luck encore. Judge Hype est vraiment cocu. Judge Hype ferait mieux de faire attention. Enfin bon, bref. Les quêtes qui demandent de gagner avec une classe précise vous donnent désormais le choix entre deux classes différentes. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc après, bon, on a quelques équilibrages sur les. Quelques équilibrages sur les baits. Alors ça, je vous laisse. Enfin, sur les baits. Les baits, je veux dire les. Les créatures, bien sûr. Ça, je vais pas vous le lire, hein, vous le lirez vous-même. En gros, il y a un petit up du mage, petit nerf du voleur, petit up du war. Le reste, j'ai pas trop lu, mais il me semble qu'il y a un nerf général de quasiment toutes les classes, sauf le mage et du war, qui ont été un petit peu up. Voilà, de manière générale, hein, de manière générale. Alors, chaman, maléfice, la grenouille est maintenant une bête. Très bien. Totem de soin ne soigne plus les héros. Voilà, petit nerf du chaman également. Faveur divine coûte un cristal de plus, mais bon, quand il y a un seul, une seule ligne sur une classe, on peut pas vraiment dire que ce soit un nerf ou un up. Est-ce qu'il avait bien besoin du nerf le voleur? Oui. Oui, oui. Le prêtre a eu un gros up. Ah bon? Ok. Alors coûte 1 désormais au lieu de 2, machin. Prophète Vélen double désormais également les dégâts. Alors Prophète Vélen c'est une carte légendaire. Alors tout à l'heure j'ai fait un match contre un mec. Tout à l'heure j'ai fait un match contre un mec. Juste incroyable. Le mec m'a sorti dans le même deck 4 légendaires et 6 cartes dorées. Et ça fait que un jour et demi que le jeu est sorti, enfin que le jeu est sorti de manière définitive où on peut acheter des cartes qu'on gardera. Donc ça veut dire que le mec, en un jour et demi, a ouvert autant de paquets pour avoir au moins 4 légendaires, parce que si ça se trouve il en a plus, mais il avait 4 légendaires, il a claqué ses 4 légendaires dans la partie, et 6 cartes dorées, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que le mec soit a eu vraiment full luck en ouvrant ses paquets, soit il en a acheté 200, auquel cas, bon 200 paquets, hein, 200 paquets, 200 paquets, hein. Voilà, 5x4, machin, 5x4, 200 euros, un peu plus de 200 euros, 220 euros, donc c'est bien, c'est parfait. Faut savoir que c'est à peu près, hein, à peu près 1 euro le paquet, vous voyez, un peu plus d'un euro le paquet, quand vous voyez que 9 euros égale 7 paquets, 2 euros, 2 paquets, 2,69 euros, 15 paquets, 18 euros, voilà. 4 légendaires, il y a un mec qui écrit 100 paquets plus ou moins, et il a gagné, mais non, il a pas gagné, bien sûr que non, je l'ai massacré. Alors vous savez, non mais... Je vais essayer de vous donner des conseils à Hearthstone aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui font n'importe quoi sur le jeu. Parce que en ce moment, moi je vous le dis, si vous avez une clé bêta Hearthstone, en ce moment, il est temps de jouer. Il est temps de jouer vraiment parce que là, il y a eu des vagues de... Ah de... Pourquoi j'ai fait ça? Il y a eu des vagues de clé bêta et tous les noobs jouent au jeu et sont en mode partie, en mode... Donc il faut vraiment, vraiment... C'est vrai que c'était la dernière remise à zéro. Oui, c'était la dernière remise à zéro. Maintenant, tout ce que vous faites maintenant, vous l'aurez pour le jeu définitivement comme une bande triste. Voilà. Donc, des choses qu'on a appris sur ce jeu. Déjà, ne claquez pas la pièce avant le tour 3 minimum. C'est une catastrophe. Moi, vous savez, alors le matchmaking est assez bien fait dans Hearthstone. Moi, je fais environ 50-50 dans le matchmaking. C'est-à-dire que je tombe contre un mec fort, je tombe contre un mec trop nul. Je tombe contre un mec fort, je tombe contre un mec trop nul. Mais alors quand je dis trop nul, c'est les mecs full retard. Hein. Alors on va faire une game. On va faire une game et je vais vous montrer, alors j'ai refait mon deck qui s'appelle Balance Man, en référence à Rasta Rocket. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce deck avant qu'on y aille. C'est un deck qui, évidemment, doit évoluer. J'ai fait un deck assez simple, un deck mage. Vous savez que moi, je joue mage. Alors, j'ai joué Hunt aussi, mais là, j'avais envie de jouer mage. Alors, c'est un deck, vous voyez, au niveau du mana, qui est assez équilibré, bien sûr. Non, c'est pas en référence à Tony Parker. Tu es passé par là, full retard. Ah oui, je suis passé par là, full retard. Mais je vais vous montrer les conseils pour ceux qui débutent dans Hearthstone. Donc, si vous voulez débuter dans Hearthstone, regardez ce live. Je vous montrerai... Non, c'est bon. Oui, j'ai vu le Wombo Combo de Athènes qui a fait 56 de dégâts. C'était pas très impressionnant. Donc voilà. J'ai fait Image Miroir, 2 cartes. Berserk Amani, 2 cartes. Vous voyez que j'ai fait beaucoup de doubles cartes. Donc j'ai, en fait, j'ai assez peu de cartes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai que 17 cartes. Mais on essaie de réduire au maximum la chance en mettant, eh bien, des cartes en double. Donc on a mis de la boule de feu, de la métamorphose, donc un peu de contrôle. J'ai aussi pas mal de provocations. Image miroir qui invoque maintenant des serviteurs avec 0-2 au lieu de 0-1. Ce qui est quand même super, c'est un gros up, il faut le savoir. Berserk Amani, accès de rage plus 3. Donc ça c'est très bien d'avoir des accès de rage avec le mage parce que vous pouvez tirer sur votre propre créature et la créature fera 5 de dégâts. C'est pas cumulable 2 fois, hein. Si vous le tapez 2 fois, il fera pas plus 18. Provocation ici, on a mis de la pioche, de la provoque, un peu de sort également.
mais j'ai pas mis le j'ai pas mis le comment ça s'appelle le pilier de feu, le choc de flamme, voilà. Le choc de flamme, j'ai pas mis. J'ai eu un blizzard aussi que je n'ai pas pris. Bon, c'est un deck qui va évoluer en fonction du temps. Enfin, tu joues en dégâts des sorts, OP ce truc. Non. Le dégât des sorts, je vais vous en parler également. J'ai joué contre quelqu'un qui a fait un dégât des sorts. Pour moi, le dégât des sorts, c'est un deck entièrement basé sur la luck. Ah oui, ça, ça a été rajouté. Musique de Warcraft 2 pendant la recherche. Donc ça, c'est vachement bien. La musique de Warcraft 2 pendant la recherche, c'est trop bien. Alors... Malfurion. Alors tout à l'heure j'ai joué contre un gros noob. Donc là en théorie on devrait jouer contre quelqu'un qui sait jouer. Alors je vous rappelle le début des decks. On est avec 3 cartes. On peut se dévosser de 3 cartes, de 1 carte, de 0 carte, de 2 cartes. Ici on va évidemment enlever la 5 et la 7 et garder la 2 provocation qui sera assez utile. Alors on va voir directement. Bon là on a eu une 6, pas de chance, mais on a eu aussi une 2. On va voir directement si le mec est nul ou pas. Dans les premiers tours, c'est là qu'on peut analyser un petit peu le jeu d'un adversaire pour voir s'il sera all-in ou s'il va faire n'importe quoi. C'est à moi de jouer, c'est le tour 1, je peux rien faire, on se casse. Alors lui normalement il a la pièce. Il a 6 cartes en main, j'en ai 4, ce qui veut dire qu'il a forcément la pièce avec lui. Et en plus il joue en deuxième, hein, ce qui est quand même assez abusé. Donc mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est la pièce, c'est pas tout le temps. Alors à ceux qui veulent absolument une clé, allez voir du côté de Duel of Champions, c'est une excellente alternative. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Zera, le mec qui va insister pendant 2 heures sur le fait que tout le monde a une clé, je vais me tirer une balle. Alors voilà, la pièce. La pièce. Le mec a claqué la pièce pour claquer une carte qui lui donne de la mana. Et il a passé son tour. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Le mec a claqué la pièce pour claquer une carte qui lui donne des cristaux de mana pour passer son tour. Sachant que les cristaux de mana reset à chaque tour. Donc là nous sommes contre un joueur débutant qui vient d'avoir une clé bêta, qui commence au jeu. Ou alors qui nous troll et qui snipe, ça c'est possible aussi, hein, c'est possible. Donc là il a fait un tour complètement inutile en claquant ses cartes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser un Berserk Avenir. Et on va finir son tour. Pourquoi? Parce qu'après on va l'attaquer avec notre boule de feu. Il sera à 5 de dégâts et on va pouvoir l'attaquer. Donc là, le mana qu'il a gagné reste. C'est vrai? Ah oui, il a 3. My bad, my bad, my bad, my bad. Autant pour moi. N'empêche que la pièce au premier tour, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je vous le demande. Je vous le demande. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le truc a 3 en attaque. On va pas y aller tout de suite. Bah il a 3 en attaque donc ça me fait un peu chier quand même. Mais c'est pas grave. Là il faut qu'on... Vous savez quoi? On va faire ça. Donc là je place un serviteur avec provocation. Et je ne vais pas attaquer avec le... Oh quoique ça pourrait m'éviter une boule de feu. Allez. Ah mais non je vais mourir, je vais mourir. Donc on n'attaque pas. La pièce c'est tout le temps pour le deuxième joueur. C'est vrai vous croyez? Alors attendez, c'est vrai que je vais modifier l'emplacement de la cam qui est très mal placée hein, actuellement. Voilà, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Hop. Hop. Voilà. Je me mets là. Je me mets là, c'est bien mieux. Ah, je me mets ici. Donc là, il faut absolument qu'il détruise et cette carte, et cette carte. Sinon, au prochain tour, il va prendre plus 5 de dégâts dans la gueule, il sera déçu. Donc là, il doit absolument, pour moi, avec son Grizzly, attaquer le Grunt. Ensuite, c'est 3 points de vie. Ah ouais, mais il pourra pas, parce que faire 3 points de vie en dégâts directs au sort, au tour numéro 4. Enfin, quand je dis 4, c'est quand vous avez 4 points de mana. Hein. Moi, c'est comme ça que je compte les tours, c'est plus simple. Donc là, il faut absolument qu'il me détruise cette carte. Bon, il la détruira pas, dommage. Après c'est quand même cool parce qu'il est pas mort ici. Donc ça va être plutôt stylé. Alors voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Donc là on a plusieurs possibilités. Bon, normalement avec la boule de feu on devrait... Alors dans Hearthstone il faut que je t'explique un truc. D'après ce que moi j'ai compris. Après je suis pas un excellent joueur non plus hein. Dans Hearthstone il faut savoir que... Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour garder encore le Berserk. Dans Hearthstone il faut savoir qu'il faut claquer toujours le moins de cartes possible. Celui qui a le plus de cartes dans ses mains et le plus de cartes dans son deck est quasiment toujours gagnant. Alors, sauf dans un cas de all-in où vous claquez toutes vos cartes d'un coup et vous essayez de faire un combo de l'espace qu'on appelle aussi un wombo combo. Et mais sinon, de manière générale, même si c'est pas tout le temps vrai, celui qui a quand même beaucoup de cartes arrive à gagner de manière un petit peu plus souvent. Confère provocateur. Très bien joué de sa part. Très très bien joué de sa part. Bon, dommage que... Donc là vous voyez, je sais pas si... Je sais pas s'il a bien fait quand même de claquer tout sur cette petite panthère que je vais pouvoir massacrer. En fait regardez, il a tout claqué dessus. Et malheureusement nous on va faire une petite boule de feu ridicule. Et on va lui éclater sa panthère. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, s'attaquer soi-même afin de faire plus de dégâts.
Et là, on va pas claquer de cartes. On pourrait mettre la barrière de glace. On va la mettre parce qu'on a quand même pas de créature. Mais voyez, il a 3 cartes, j'en ai 4. Sachant que moi, mon deck est beaucoup plus basé sur la pioche. J'ai 2 intelligences des arcanes qui permettent de piocher 2 cartes chacune. Ça fait donc 4 pour 2 cartes. J'ai 2 ingénieurs gnomes. Bon, on va dire 4. Ce qui me permet de piocher encore 2 cartes. Donc pour 4 cartes, j'en ai 6, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de pioches dans ce deck. Beaucoup de provocations, mais assez peu de créatures de manière générale. Donc c'est un deck assez moyen, mais il évolue en fonction du temps. Donc c'est tout à fait normal, hein. Ne croyez pas. Alors, confère à votre héros plus 2 d'attaque pendant ce tour. Bon, voilà. Là, il m'attaque, hop, 8 points d'armure. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est une bonne carte de défense. Il est trop fan d'avoir compris les bases, le petit Zerator. Non, pas du tout. J'explique aux gens comment moi je vois le truc, parce que je vois de ces absurdités sur le jeu. C'est juste incroyable. Alors, la boule de feu, c'est un sort qui fait 6 points de dégâts. Personnellement, alors là je ne vais rien faire hein. Personnellement cette boule de feu peut servir à deux choses. Soit détruire des créatures, Soit l'infliger au héros. Alors personnellement, ça dépend. En fait, en mage, quand vous avez des chips dans votre deck, vous pouvez vous permettre de faire des boules de feu sur le héros adverse. Surtout contre un druide qui a des touchés guérisseurs. Druide, paladin, prêtre, vous pouvez faire des boules de feu dessus parce qu'ils ont des gros sorts de soins qui peuvent leur régénérer jusqu'à 6, 8, 2 points de vie. Donc ça peut faire très mal. Hop, moins 5 dans ta gueule, feu stellaire. Pas très intéressant. Et là on va pouvoir tuer son fusilier. Et vous voyez, j'économise des cartes hein, encore une fois. Alors, on va placer un petit croisé écarlate. Après, si vous connaissez les cartes des quand il parle comme ça, j'ai l'impression qu'il nous prend pour des cons. Non, vous plaisantez. Zerator qui tryhard. Je tryhard tout le temps, sur tous les jeux. Après il faut savoir que enfin, il faut connaître les classes. Genre moi, quand je joue contre un mage, j'attends qu'il claque ses deux chips et ses deux boules de feu pour placer mes grosses créatures. Ça, c'est bien. Très bien joué. Pour neutraliser un bouclier divin. Bon, désolé, c'est pas un live d'apprentissage de Hearthstone. Hein. Donc là, on pourrait se dire, putain, je suis dans la merde, il a posé un 6-5 et tout. Mais regardez le plus important. Le mec n'a plus qu'une carte. Alors moi, je vais piocher des cartes encore. Je vais chip ce truc énorme. Voilà, très bien. On va pas placer les images miroirs parce qu'elles vont... Bon voilà, elles pourraient mourir et tout, et il va faire que 2 points de dégâts, donc on accepte de se prendre 2 points de dégâts. Et il a plus qu'une carte. C'est dommage de perdre du mana quand tu ne dépenses pas tout. Ah non, c'est normal. C'est normal. Mais... ouais, ça c'est le... C'est le grand bruit du ship. Fury fait souvent bruit là. Mais... Donc 3 d'attaque, bon. Alors là j'ai 17 points de vie, donc on est là, c'est chaud. Et je vais peut-être perdre, hein. Je suis en train de vous expliquer tout ça et tout. Je dis pas que je vais le massacrer et tout, mais honnêtement, pour moi, le joueur d'en face fait quand même pas mal d'erreurs. Après, bon, ça se trouve, je vais me faire massacrer, vous serez là, oh là là, il a tout expliqué, alors qu'en fait, machin, quel gros noob et tout. Mais, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Ça, et ça. Donc une provocation, un Drake qui permet de piocher une carte en cri de guerre. Et là, en plus, ça me donne 1 de puissance des sorts, donc la boule de feu, ça fera 7. On va peut-être même piocher un autre Drake Azur au prochain tour, qui sait. Si tu n'économisais pas autant tes cartes, tu perdrais justement moins de mana à chaque tour, non? Mais c'est pas grave de perdre du mana. Qu'on fait un cristal de mana vide. Pour piocher une carte, vous ne pouvez avoir que 10 cristaux de mana en réserve. Bon. Il est à 6 actuellement. Plus ça en attaque. Donc là, il a pas mal d'armure. Il va se permettre peut-être d'attaquer ma provoque. Donc il va faire 1, 2 et 3 avec son champion. Donc il va quand même s'éliminer 2 cartes. Et paf, avec son champion. Et il perdra 3 points d'armure de manière gratuite. Et là, vous voyez? Ça y est! Il n'a plus de cartes. Donc là c'est free DPS, ce que j'appelle un free DPS. Donc on y va. Donc on va le placer ici. Hop. Donc d'abord on nettoie. Ensuite on confère de la provocation. Voilà. Et ensuite, bah ça on s'en fout un petit peu. On va l'éliminer avec cette carte là. On claque pas nos cartes. Tant qu'on peut ne pas claquer nos cartes, on ne les claque pas. Donc vous voyez, j'ai encore une provocation dans mon deck, donc c'est plutôt pas mal. Et là, go le all-in et ça sent la win. Non, 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 ça va. En gros, quand vous tombez sur Zerator, soit vous pouvez le tuer rapidement en early, soit vous jouez son jeu et vous économisez aussi. Pas forcément. Ah, le démolisseur. Au bout du tour, inflige 2 points de dégâts aléatoires à un adversaire aléatoire. Je croyais que c'était 3. Ils l'ont peut-être nerf. Je n'en sais rien. Alors, bon, on place les grosses cartes, hein, bien sûr. On pioche encore et toujours. Ah, un Drake Azur, donc ça, c'est très bien. Alors on va l'éliminer ce truc hein. Là on va y aller. 4. Voilà. Et nous l'attaquons.
Alors bien sûr on ne pose pas. Vous savez que le maximum c'est 7 cartes posées. Là je suis à 6. Donc il faut toujours avoir un truc en réserve au cas où. Au cas où, hein. Bien joué. Je vous conseille la... Ok. Il a abandonné à 15 points de vie. Alors là ça voulait dire que le mec n'avait aucune carte qui faisait des dégâts de zone dans son deck. Mais comme je vous l'ai dit, ça se voyait. Ça se voyait sur le, sur son truc de départ. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il faut quasiment jamais se rendre à Hearthstone parce qu'il peut y avoir beaucoup de retournements de situation, surtout si vous avez un deck de pioche et que vous avez un peu de dégâts de zone. Là, soit il n'avait plus aucune carte de pioche, et donc c'est sûr qu'en piochant les cartes une par une, c'est quasiment impossible face à un mec qui en a 6 ou 7. Et quoi ? Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et sinon, si vous avez de l'AE, bah, c'est pas mal, mais c'est vrai que là, si vous n'avez pas d'AE et qu'il y a 10 champions posés, enfin 6 ou 7 cartes posées, c'est une catastrophe. Mais enfin, Zera, go en classé. Ah oui, il est classé. Alors, parlons du système de ladder dans Hearthstone. Je vous explique le système de ladder dans Hearthstone. Vous gagnez une partie, votre classement monte. Vous perdez une partie, votre classement ne bouge pas. Parce que voilà, parce que sinon les noobs ne peuvent pas monter. Donc c'est pas bon. Donc en gros, je vous explique rapidement le truc. Un joueur qui fait 10 victoires sans défaite, eh ben, il a ses 10 victoires comptabilisées, il est en, je sais pas quoi, on va dire en cuivre 3. Et un joueur qui fait du 10-0, il est en quoi ? Il est en quoi ? En cuivre 3, voilà, voilà. Donc si vous avez des potes, on dirait le système de LOL. Mais non, à LOL vous perdez des points quand vous perdez. Bon, sauf si vous êtes dans la division 5 de votre palier, mais sinon vous perdez des points. Donc le système de ladder le plus con du monde, c'est-à-dire entièrement basé sur la progression et c'est cool. Le classement est prévu d'être reset souvent. Donc en gros, si vous avez un pote à vous qui vous dit « Mec, j'ai commencé Hearthstone hier, je suis déjà platine 2. » Tu te rends compte ? Ça veut rien dire. Ça peut tout et rien dire. Voilà, ça peut vouloir dire tout et rien à la fois. Donc c'est trop bien. Plus tu joues, plus tu montes. Exactement. C'est horrible de sortir du LOL à LOL. Nouveau débat. Mais si tu perds des games, tu devras en gagner plus pour monter de palier. Ah non, mais peu importe. Peu importe. La seule règle qui compte dans ce jeu, c'est que celui qui monte... celui qui joue, pardon, gagne. Musique de Warcraft 2. Il y a quand même un classement après selon le MMR, mais seuls les 50 premiers le connaissent. Ah c'est vrai ? Donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a strictement aucun intérêt. Non bref, moi je suis un petit peu déçu de ce système de ladder qui n'a absolument aucun intérêt. Je trouve que c'est assez assez bof. Enfin bon, alors. Putain ! Un moustique ! Tiens ! Prends ça ! Je sais pas si je l'ai eu. Alors là on est tombé contre un gros noob, donc théoriquement on devrait jouer contre quelqu'un qui a un petit peu un meilleur MMR. On va garder un chip, c'est toujours utile, on va se retirer les deux cartes à 5 parce que ça ferait un très mauvais early quand même. Donc on va voir. 4 et 3, bon j'ai aucune créature donc il va falloir quand même claquer l'intelligence des arcanes assez rapidement. Alors c'est le seul jeu du monde effectivement, alors 6, alors là vous voyez j'ai un très très mauvais tirage de départ. Faut savoir qu'à ce jeu on déteste commencer hein, parce que le deuxième évidemment a souvent la pièce. Alors je connais pas la règle de la pièce. Pourquoi tu dis que c'est un noob bizarre ? C'était un débutant. Noob n'est pas toujours péjoratif. Alors ça sent le deck full bait en face. Alors voilà, un tirage à 5, donc très très mauvais tirage encore une fois. On va éliminer son loup alpha redoutable de la muerte. La pièce, on l'a toujours quand on est deuxième, c'est ça ? Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Chaque fois qu'une bête alliée meurt, gagne plus 2, plus 1. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut éliminer assez rapidement. Ah, une carte à 2. La carte à 2, on va la prendre. Parce qu'évidemment c'est celle qui nous permet en mage. Alors ça c'est quand même de la chance de tirer ça au début quand on est mage. Donc là je suis quand même un petit peu chanceux. J'en ai deux dans mon deck, j'aurais pu la tirer en dernier. Mais ce qui permet avec la boule de feu d'avoir un 5. Donc si le mec n'a pas de provocation, c'est quand même pas mal. Invoque un compagnon aléatoire. Il peut y avoir provocation dans ce compagnon aléatoire. Léoc, les autres serviteurs alliés ont plus 1 d'attaque. Pourquoi pas. Alors là soit je choisis avec mon 5. Ah non il va éliminer. Oh là erreur. Erreur, il fallait éliminer le berserk Amani. Alors soit je décide d'attaquer son héros et lui faire 5 points de dégâts et je garderai ma créature à 5. Soit je décide d'éliminer son Léoc. Je pense que je vais attaquer son héros. Ce qui est pas forcément le meilleur choix hein, mais... Hop. J'aurais même pu poser la protectrice Sulfury pour mettre la provocation mais... Mais voilà, j'ai pas très envie parce que évidemment la protectrice Sulfury ça permet de mettre provocation à un serviteur à sa gauche et à sa droite. Donc évidemment il vaut mieux avoir une autre carte ici à droite. Donc on va l'enlever, on va pas la mettre tout de suite. Mauvaise idée de garder ce combo pour un chasseur. Bon, c'est vrai que je devrais éliminer celle-là normalement. Mais là, ah c'est une bête, j'avais pas vu que c'était une bête. Bon je suis un petit peu déçu. Bon tir des arcanes, plus un secret.
Alors les secrets des chasseurs en général, c'est quand vous attaquez leur propre... quand vous les attaquez. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Alors j'ai enlevé l'explos des arcanes. Ça peut aller très vite pour la hyène. C'est vrai que ça peut aller très vite. Vous avez raison, vous avez raison. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Après, souvent, on fait n'importe quoi à ce jeu. Ah, secret, voyons voir. Quand un adversaire joue un serviteur, lui inflige 4 points de dégâts. Bon, bah voilà. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait ça. Alors après, quand vous connaissez les classes, et quand vous vous rappelez des secrets, vous pouvez, eh bien, vous adapter et jouer en fonction. Par exemple, maintenant, quand je jouerai contre un chasseur et qu'il mettra un secret, j'essaierai de invoquer des créatures assez faibles au départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, on n'est pas très bien, quand même. Évidemment, il faut le savoir. On va se donner un peu de liberté. Liberté! On va le forcer à attaquer ça. Ça lui passera une attaque. Normalement, avec sa hyène, il va attaquer lui. Ah non, il a 2 d'attaque, donc peut-être avec le garde-baie du butin. La charge! Ah oui, il attaque là, ici, ici, là, vas-y, attaque ça. Attaque ça, et après t'attaques ça, avec ça, ou ça, avec ça. Mais il faut qu'il le tue, il faut qu'il le tue. Tu perds parce que tu temporises trop. Ah mais je perds pas tout le temps, hein. je perds assez rarement depuis que j'ai recommencé Hearthstone, mais mon deck est assez faible, j'ai eu un peu la flemme de le faire, pour tout vous avouer. En fait, avec le deck mage de base... Mais après, il faut que je vous dise un truc quand même, c'est que là, l'adversaire est en all-in. C'est-à-dire qu'il a plus qu'une carte. Alors j'ai pas trop d'AE dans mon deck, ce qui est pas top, hein. Mais en gros, alors j'ai pas le pilier de feu. Là vous voyez par exemple, si j'avais le pilier de feu, ça pourrait aller très vite. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, quand un adversaire joue un serviteur, il inflige 4 points de dégâts. Encore. On sait comme ça. Ça tombe bien. Alors là je vais perdre 5, 11, 13. Ah j'ai peut-être perdu. Ah mais j'ai perdu en fait. J'ai perdu. Bon là vous voyez, j'ai mal joué. Parce que j'aurais pu très bien piocher des cartes ou me rendre des points de vie avec la prêtresse des lunes. Mais j'ai préféré attaquer, donc j'ai perdu. Mais ça, vous voyez, c'est de l'étourderie. Et ça passe au fur et à mesure que vous jouez. Mais vous voyez là, par exemple, typiquement, sur ce genre de partie. Alors c'est normal, on a perdu avant. On a gagné avant, maintenant on perd. C'est une chance sur deux. J'ai quand même pris mon niveau, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, là sur mon deck... C'est vrai qu'il est faible en early, il est un petit peu faible en early, mais si on arrive à snowball un petit peu, à conserver cette avance de cartes qu'on a, et bien d'un coup ça pose et ça enchaîne et on peut plus rien faire. Sauf que là le mec, eh bien, forcément m'a tué un petit peu avant cette phase où on a, en gros, mon deck quand j'arrive dans les 8-9 points de mana, ça devient très très bien. Ça devient très très bon, mais avant, c'est difficile. Non, ce n'est pas une chance sur deux l'ami. Mais si, c'est comme ça. Alors, moi je trouve fort dommage que la boule de feu retire 1 et le sort du chasseur 2, ça mérite une mise au point. Ah, tu as du mal lire le sort, parce que le sort du chasseur cible forcément le héros adverse, alors que le sort du mage cible ce que tu veux. On va faire la première pause de ce live, on se retrouve juste après, je vous dis à tout de suite dans 2 minutes, on continue, et voilà.